Bienvenue tout le monde à P-Zone Antichambre édition Playoffs! Alors, on est rendu aux Playoffs de la PCIHL. C'est une bonne saison, on s'est amusé, c'était vraiment tight, des bonnes équipes. Je vais commencer à vous introduire à mes amis ici. À ma gauche, j'ai Christian Poteux, capitaine des Whalers. Hey my boys, good season! Au milieu, j'ai James Burns, capitaine des Rockies. Et finalement, à gauche, une nouvelle addition, Sean Campbell, capitaine des Super Friends Trashers. No tie needed. All chicken right. Wings! Alors, on va commencer à regarder les standings de la saison. On va commencer en bas, le plus bas du bas, ça ne peut pas être plus bas que ça. C'est les Rockies. Les Rockies, leur record, c'est 2 victoires, 12 défaites. Et 7 matchs. Deux grosses victoires. Si je me trompe pas, il y avait 2 victoires la dernière fois. 2 victoires qu'on avait fait dans la chambre. Je pense que oui. Anyways, en 7e place, on a les Maroons. En 6e place, les Wanderers. 5e, les Golden Seals. En 4e, les Barons. 3e, les Thrashers. 2e, les Whalers. Et finalement, en 1ère place, la surprise de l'année. Les Nordiques. Flashback. 11 victoires, 5 pertes et 5 matchs nuls. Les Nordiques, là, quand on a fait notre dernière antichambre, on a eu un petit message de patate frites normalement. On va checker ça tout de suite. Hey, remets ça, vas-y, go. La prochaine fois qu'on revient, les Nordiques vont être premiers. On va voir. Vous l'avez entendu? Ils vont gagner la première si on fait la semaine prochaine. Les Nordiques! Patate frites, il savait quelque chose, on savait pas de quoi se parler, on pensait qu'il était fou, mais... Et patate frites, c'est pas patate frites, mais non, lui est une poutine. Il est une poutine. C'est un vrai, véritable poutine. Patate frites, poutine. Lui, là, son équipe, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont pas perdu depuis la 9e semaine. Il a juré. C'est Scotty Evans. C'est sûr. Il a wake-up, il commence sa saison comme à la 2e partie. Mais non, première place, Art Ross, là. Ouais, Art mais Ross. Quand il veut scorer, il score. Mais enfin, c'est le Scotty Evans qu'on sait. Ça fait longtemps qu'on attend le Scotty Evans dans le PCI. Pourquoi il était 8e dans le draft, là? Ouais, c'est ça, parce que... Pourquoi il est 8e dans le draft? Il y a eu 4 saisons où est-ce qu'il y avait des points normaux. Un peu de misère. On savait que Scotty Evans, du début, c'était le futur du PCI HL. Puis là, finalement, cette saison... Il a fait ce qu'il avait besoin de faire, puis là, il va continuer. Nouveau pantalon, s'il vous plaît. Ouais. Plus de rouge. On enlève le rouge de Scotty Evans. Scotty Evans, il marche. Mais tu sais, une chose qui me fait peur avec les Nordiques, là. Pat Normand, patate frite, là. Son genou, là, il a fait mal l'autre jour. Là. Il a manqué le dernier match de la saison. Petit bobo. Pat Normand, là, vas-tu être capable de jouer comme il a joué durant la saison? Ou maintenant, il va-tu avoir peur chaque fois qu'il tourne gauche-droite? Moi, je le sais pas. Moi, j'ai peur. J'espère qu'il va bien jouer. Mais je veux gagner, moi. C'est quel genou? Là, on sait pas. On va un Tanya Harding, peut-être? Avant le match, c'est contre les Rockies? Je savais pas. Appelle Chabot, si t'as besoin. Appelle Chabot, ouais. Il va l'arranger. Il va l'arranger. C'est God Oxburgh. Ouais, il connaît quelqu'un. C'est quoi le numéro? Alors, on va passer en deuxième place, les Whalers. Une bonne saison. Une saison assez forte. 11 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls. Ça a bien joué. Ça a même une crise d'équipe que chaque année. Non, c'est pas la même. Copy, paste. Auto draft next year. On sait pas. Le nouveau cette année pour les Whalers, c'est Mike Glazer. Mike Glazer dans le but. Mais pas dans la crise. Les arbitres disent pas dans la crise. Mike Glazer dit pas dans la crise. Mike Glazer dit pas dans la crise. Il donne un petit tap. C'est plus qu'un tap. Bon saison pour Mike Glazer. Bon saison pour Mike. Il est vraiment fier de Mike. Monsieur Dermot Pick. Jono joue fort, lui. C'est les cheveux. C'est une chose qu'on ne change pas. C'est les cheveux. Je pense qu'il est quatrième. Coupe pas tes cheveux, Jono. Meilleur joueur de hockey, Jono, que Spergai. Spergai, Jono, bon joueur. Maxa, il va marquer. En anglais, c'est write that down. Spergai, non. Moi, là, les Whalers, tu sais qui me fait peur, là. Sean Hamilton, là, un des meilleurs joueurs dans la ligue, travaille chaque quête.
semaine, là, il va manquer des matchs des playoffs. Ouais. Est-ce que Sean Hamilton peut dire à son boss, « Hey, moi, je suis dans la finale, je joue plus. Je travaille pas. » Écoute, des couches, ça coûte énormément sûrement. Faut travailler. D'argent. Il faut travailler. Hein? Alors, s'il faut que tu manques une game ici, une game là, pour payer les bills. Et il y a beaucoup d'os de chicken wing. Par terre, on doit sweeper. C'est vrai, c'est vrai. En parlant des Chicken Wings, là, les Trashers, là, en troisième place, on savait. On n'est pas sûr avec les Trashers, ils sont bons, ils sont pas bons, les Super Friends. Mais là, là, 10, 6 et 5 en troisième place, l'effet Chicken Wings, ça marche. Non, 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 c'est pas l'effet Chicken Wings, c'est l'effet l'expérience. C'est vrai. OK, mon équipe a 115 années ensemble d'expérience dans le pays. Et ça va gagner des matchs, là. Bon d'expérience. C'est vrai. T'as aussi, ils ont aussi 115 livres chaque d'expérience. Et mon Teddy Brady, là, deuxième score dans la ligue, il est fort. Mais est-ce que t'as vu Teddy? Là? Hier, là, j'étais au Walmart, là, j'ai vu Teddy Brady. Écoute, les chicken wings, là, ça marche pas pour tout le monde, là. Ouais. Montre la photo, là. Montre la photo. Je sais pas où tu montres la photo, là, ouais. Mais ici, là, montre Teddy Brady, ouais, là, ouais. C'est, voir, c'est top à Walmart. Chicken wings. Faut faire attention. Playoff performer. Playoff performer. Peak pis, performer. Mais troisième, je pense, deuxième en score. Deuxième. Il va continuer, ouais. C'est sûr. Bonne équipe, je te dis. Moi, j'ai peur des Trashers. On peut pas les battre. En parlant de mon équipe, les Barons, on est rendu à 17 et 4 notre record. Pour moi, ce que je suis vraiment fier, c'est ma défensive. Notre average de buts contre, 2 buts contre par match, moi je trouve ça fou. Moi, c'est juste moi. Quand tu peux seulement compter un but par match avec Trevor Downs, c'est le gars qui perd de 2-1. C'est tout, 2-1 à chaque match. Hey, bravo à ton goaltender là. Hey, Van Dutch. Ouais, c'est ça. Van Nistelrooy. C'est Van ou Van là? Van. Égal Dutch. Bon gardien, bonne défense, une équipe cœur. Moi, quand j'ai repêché mon équipe, là, cœur. Là, je suis rendu à. J'ai du coup de cœur, peut-être qu'il manque des patins. Mike Farley. C'est le meilleur combo cœur-patin. Si mon équipe a besoin de patins, j'ai Mike Farley. Il va m'amener des patins. Non, c'est un bon joueur. Va aiguiser tes patins. Aiguiser tes patins au moins. Ou il va mal aiguiser les autres équipes. Mais Mike Farley, je vais juste dire ça. Pour les buts, zéro cette année. C'est beau, il joue en défense. C'est checké, là. Il joue en défense. Hey, si Reggie Mabee peut compter des buts, Mike Farley peut compter des buts. Ouf. Reggie, t'es mon gars. Ouf. Les Golden Seals, là. 8 et 5. Capitaine. Capitaine Spencer, j'ai eu un assist. Mais c'était moi. C'est un assist au début de Clem. Sean Clem est le gars sur cette équipe. Il compte les buts. Clem, c'est le joueur. Je vais traiter. C'est sur mon liste là, de 20 joueurs que je joue. Moi, Sean Clem, lui, je savais toujours. J'ai joué avec lui 2 années de suite. Puis lui, là, il va être dans le coin. Il va me ramasser les buts. Lui, c'est un très, très bon joueur. Plein de corps, ce qu'on aime dans le PC. Ça a l'air que les chiffres de Spencer, c'est rendu à 2 minutes au lieu de 5 maintenant. Moi, j'ai pas peur avec Spencer, ses chiffres. Moi, c'est mon équipe, là. Moi, j'ai peur de Chili. Il est parti pendant 6 mois ou 6 semaines en Chili. Je sais pas trop c'est quoi son vrai nom, mais, mais j'espère. Une chose qui est sûre, il adore de la pizza encore. Ah, la pizza. Chili, donne-moi la pizza, puis je vais gagner. Les Wanderers. Avec les Wanderers, c'est impossible de pas parler de ça. Ryan Rourke, il joue des matchs, il joue pas des matchs, il fait ce qu'il veut. Quand il joue bien, mais dans les playoffs, là, il faut écouter ça. Si tu manques trois joueurs, tu peux avoir un spare. Si tu manques un joueur, tu peux pas amener Corey Bellivo pour sauver la journée. Alors Ryan Rourke, là, s'il vient dans les playoffs, les Wanderers, ça va causer du trouble. Mais pourquoi il a manqué tellement de matchs? Comme j'avais dit à la dernière PCIHL, là, Ryan Rourke, c'est un capitaine. Riznik, il voulait être capitaine. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Il a seulement joué 19 matchs. Non, même pas. Non, moins que ça. Il a joué 11 matchs. Ouais. Sixième place pour une raison, là. Ouais, c'est sixième vrai. Place, pas de leader. Ouais. C'est... Pas de cœur. Ouais. Pas de cœur. Phil Smythe joue bien. Phil Smythe. Mais moi, là, si je joue contre, les Wanderers, moi j'ai un petit bec à Nistor. Oh, Mr. Nistor! Il va me sauter, là. Il va me laisser de me bagarrer. Puis là, mon équipe a un powerplay de 5 minutes. Moi, hey, ça va brasser sur la glace, mais après le match, il va te serrer le main comme un gentleman. C'est qui qui a pas un
une fois dans leur saison qu'ils ne voulaient pas donner un petit coup à Nestor. Je sais pas, moi, une fois peut-être. Oui, n'importe qui. Mais il ne faut pas oublier, si Rourke, il est là. Si Rourke, avec les games qu'il a joué, pour le nombre de points qu'il a, s'il aurait joué toute la saison, il serait en première place. En première place, c'est sûr. Il serait là. Fait que s'il est là, à Shabbat, Patates, puis Rourke, la liste n'est pas longue, mais c'est bon. Sûrement, là. Pas de spare. En septième place, les Maroons, ça c'est une équipe très intéressante, là. 6 victoires. Entre autres, il y a leurs trois derniers matchs, ils ont gagné. Trois de suite. Rentrant dans les playoffs. Dangereux. Mais ça, c'est toutes les actions, le capitaine a fait, oui. Sûrement, mais enfin, on ne sait plus c'est qui ont sur leur équipe. Ouais, Babineau. J'ai entendu un buveur que. Ouais, j'ai une scoop. Si les gars veulent une scoop. Ouais, tu sais, tu veux une scoop. Sur le pigeon dans ses chambres, le playoff, là. Oui. Dans la saison, Mark, elle voulait échanger lui-même à mon équipe pour Teddy Brady. Wow. Teddy Brady, Walmart ou pas, c'est sur mon équipe, pas toi, Marc. J'ai dit non. Il voulait échanger le capitaine lui-même. C'est un bon mot, ça. C'est un capitaine, moi, c'est pas un capitaine qui s'échange. Mais le capitaine tombe à qui? On sait même pas qui est sur l'équipe. Qui va être capitaine? Danny Mazzano. Babino. Babino. Capitaine. Oh non, c'est Mikey Weir. Mike Weir. Suitcase. Et finalement, là, on veut pas parler trop, mais les Rockies, là. 2 victoires, 12 défaites, 7 matchs nuls. Faites-nous un genre de promesse comme M. Pat Norman. Écoute, c'est tout ce que j'apprends. Je vais prendre une page des Nordiques semaine 5. Là. Alors, notre corps ne reflète pas notre talent. J'ai pas eu tous mes joueurs à chaque game. À la même temps, je pense. En même temps. À la même temps. À la même temps, à apostrophe. En même temps, je m'en fous. Alors, nous, là, notre plan de match à chaque game, c'était à temps pour les playoffs. Ça a marché la dernière saison. Et puis, pourquoi? Quand c'est pas cassé, là. Don't fix it. Non, bon français. C'est sûr. Mais vous n'avez pas gagné depuis la troisième semaine. On attend, on est comme un serpent, là. T'sais, on attend que. Tout le monde pense qu'on n'est pas. Ouais, ouais. Oh, ça c'est les playoffs, là. Alors, c'est une promesse que tu vas être. Une promesse. Aujourd'hui, on est dans le Final Four garanti. Garanti, Final Four Championship, on le sait, hein, peut-être. Ça, c'est ça. Oh, mais en parlant du Final Four. Des prédictions. As-tu des prédictions aussi, moi Moi, les Thrashers sont là. Les Thrashers et les Whalers, ils sont là. Les Barons. Les Barons, c'est sûr. Tu sais que les Rockies vont être là. Toujours en playoffs, les Rockies. Et pour moi, j'ai mis l'équipe X-Factor, là. Ouais. C'est les Maroons. Les Maroons. Les Maroons. Ça commence. X-Factor pour les playoffs. Et les Nordiques avec les 2 points d'extra. Non. Jinx. Salut la visite. Ouais. Non. Salut la visite. Les Nordiques, ça marche pas avec tes 2 points. On a peur pour vous. Les playoffs, le shootout. Là. Le shootout, ça va faire une différence. Les shootouts, ça va marcher aussi. Ouais. Mais les règlements, ça change un peu. On a un overtime de 5 minutes. Puis après ça, on a un shootout. J'ai un nouveau move. Là. Ah ouais. C'est backhand. Backhand! Ça s'appelle le chicken wing. Backhand! Le quadruple backhand. L'équipe chicken wing. Anyways, les boys, merci beaucoup d'être ici à cette semaine. Cheers, les boys. 50, là. Alors, tout le monde, on va être là, on va tous boire des bières, on va regarder les playoffs, puis on va s'amuser ensemble. Puis merci d'avoir écouté Antichambre, édition P-Zone, playoffs, chicken wing.